cœur ce matin. Alléluia. Nous sommes là pour adorer le Seigneur. Alors prépare ton cœur ce matin à recevoir le roi de gloire. Amen. Nous allons chanter qu'il est Jéhovah, il est le puissant guerrier dans les combats. Alléluia. Yes. Prépare-toi ce matin si tu peux te tenir debout dans la présence de ton Dieu. La Bible dit que le peuple élevait les mains vers le trône de Dieu en l'adorant. Pendant que les anges crient gloire, gloire, gloire au ciel, nous, nous allons ici l'adorer ensemble. Alléluia. Oh, Jésus, merci Seigneur.
Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ma nièce, l'évangéliste, elle est de passage, elle est venue saluer. Hey, salutations pour ça. Amen. Ça chauffe. Je reconnais. On va tous se dire de vous bien-aimer. Pour ceux qui peuvent se dire, tu vas chanter ce cantique comme une prière et une reconnaissance. Tant que tu ne reconnaîtras pas qu'il est Dieu et qu'il peut tout dans ta vie, tu vas tourner en rond sans jamais y arriver. Mais quand tu reconnais qu'il peut tout, alors tu te décharges de tes fardeaux sur Christ. C'est lui qui porte nos fardeaux. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Cette chose cachée dans ta vie, cette chose avec laquelle tu te débats, que personne ne sait, personne ne voit, personne n'est là quand tu pleures. Mais Jésus te dit ce matin, reconnais seulement qu'il est Dieu et qu'il peut tout dans ta vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh Seigneur, je reconnais. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Chante avec moi que tu reconnais ce matin. Chante, je reconnais, alléluia. Je reconnais. Je reconnais que tu peux tout. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Thank you.
toi ce matin. Si tu n'as rien à dire, dis Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Adore-le, adore-le, adore-le. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui qu'il est puissant. Tu sais où il t'a enlevé. Dis-lui qu'il est tout puissant. Alléluia. Dis-lui qu'il est fort. Dis-lui qu'il est ton Dieu ce matin. Alléluia. Ne te lasse pas, ne te lasse pas. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Adore ton Dieu maintenant. Il est présent. Adore-le, il est présent. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Alléluia. Ton Dieu est présent. Laisse-le te toucher ce matin. Ne te fatigue pas de l'adorer. Ne te fatigue pas de l'adorer. Ne te fatigue pas de l'adorer ce matin. Il mérite toute la gloire. Il mérite l'honneur, la puissance et la majesté. Oh, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Chante avec moi ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Dieu publiquement ce matin. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas lui dire merci. Nous t'écoutons. Et quand tu finiras, nous répondrons tous. Amen. Reçois le dévastateur.
pour éviter que ça devienne une cacophonie. Vas-y, bien-aimé. Père, je veux te dire merci ce matin. Papa, merci pour ta grâce, merci pour ta protection. Mm-hmm. Merci pour la rémission de nos péchés, papa. Merci, papa, parce que tu as réservé la honte et le corps pour nos ennemis. Mm-hmm. Papa, merci pour ta paix et merci pour la joie de ta partenaire. Mm-hmm. Je bénis ton Saint-Nom ce matin. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Amen. 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 Maintenant, tu vas élever les mains vers moi, vers le ciel avec moi. Et tu vas chanter. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Louange, l'agneau. Louange, l'agneau. L'agneau de Dieu, louange, l'agneau, l'agneau de Dieu, louange, l'agneau. Chante dans le micro pour que tout le monde entende. L'agneau de Dieu. This morning that we are saying thank you to you. We're going to come forward and we're going to put you in the hand of the Lord. Voilà. Hallelujah. Prions le Seigneur. Vous l'avez fait face. Seigneur, nous te disons merci pour tes anges que tu as envoyés ce matin au milieu de nous. Lord, we say thank you to you for your angels that you have brought among us this morning. Elles sont venues apporter leurs pierres à l'édifice. They came to add the stone
to the building. Elle m'a dit, demain je viendrai vous soutenir. She told me yesterday that tomorrow I'll come to support you. Et c'est un point nommé. Quels sont là ce matin? And it is actually on target. Frère Alain est absent aujourd'hui. Brother Alain was absent today. Voilà, il est encore au travail. They call him to work, to go to work on et call. Le Seigneur ne nous a pas abandonné, il a envoyé ses servantes. And the Lord did not abandon us, he brought his servants. Pour nous fortifier. To strengthen us. Elles sont de Boston. They came from Boston. Wow. They live in Boston. Oui, c'est ma fille. She's my daughter. Elle est très courageuse. She's a very strong, very courageous. Elle peut faire aller et tout Boston, Washington. She can do, you know, back and forth Boston driving. C'est ça. Il y a combien d'années quand elle s'est mariée, j'ai fait la même chose avec ma femme. Yeah, it was because of that. A couple of nous years sommes ago, allés à Boston, même we jour, did the same même thing, jour. Back and forth, the same day. Vraiment, maman, que le Seigneur te bénisse. Mother, may the Lord bless you. Merci d'être là ce matin. Thank you for being present this morning. Mère, nous te disons merci pour tes servants. Lord, we thank you for your servant. Que ta grâce et ta faveur les accompagnent. May your glory and your favor, your grace and your favor go with them. Ta miraille de feu les entoure. Your blood covers them. Your wall of fire surrounds them. Tu connais dans la profondeur de leur cœur leur désir ardent. You know his desire. Souviens-toi d'elle avec faveur. Remember her with favor. Et exauce-les. And bless them. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On n'a pas grand chose, on ne sait pas ce qu'on peut vous donner pour vous satisfaire. Mais vraiment, merci. Voilà, il y a un peu de nyamakou. Non, ça va, j'ai une grosse bouteille. D'accord. Que le Seigneur vous accompagne. Alléluia. Voilà. May the Lord go with you. On salue les frères de Boston. We greet the brothers of Boston. Amen. Amen. Voilà, Marie-Pierre, tu te mets dans Laurent, ou bien? Ouais. Ouais, bien donné au moins quand tu peux. Et puis on va faire un témoignage, un ou deux témoignages, il y en a. Alléluia. Voilà le moment, Daniel, voilà, venez, où vous partez?
Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce matin, parce que tu as déjà béni ce jour. Tu as dit d'observer le jour du sabbat. Et tu nous béniras en retour. Nous sommes bénis dans le nom puissant de Jésus. Te confions maintenant ce moment. Viens étudier ta servante qui va nous édifier ce matin. Et donne-nous ta parole. Oceane cette parole et exauce-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la prophétesse qui va nous conduire. Voilà. Elle doit terminer le message qu'elle a donné dimanche dernier. Voilà le message de ce que le Seigneur mène le combat pour nous-mêmes. Tout ce que nous devons faire, il faut croire. Et nous verrons la gloire de Dieu. Elle va terminer le message. Et c'est un message qui sera très court parce qu'aujourd'hui, c'est un jour d'action de grâce. Nous avons pris une semaine pour jeûner. Même celui qui a jeûné un seul jour, Dieu se souvient de lui. Et ensuite, nous allons prier les uns pour les autres. Donc, prophétesse, voilà, que le Seigneur te bénisse. Amen. À toi la place. Amen. Sois béni, papa. Alléluia. Amen. Tu vas t'amener pour la présence de Jésus. Alléluia. Ça, tu as clamé pour toi-même. Tu vas clamer pour la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Esprit de Dieu est à un autre niveau ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous sentez la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Aujourd'hui, c'est vrai, papa l'a dit, merci papa, c'est une journée d'action de grâce. Et en principe, c'est lui qui devait prêcher aujourd'hui, mais le Seigneur voulait que je termine le message que j'avais commencé depuis la dernière fois, inclus aussi pendant la veille. Si vous avez remarqué, les thèmes qui se sont succédés se synchronisent. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est un jour où nous allons dire merci à Jésus-Christ de Nazareth pour la victoire qu'il nous a accordée. Alléluia. Amen. Pour la victoire qu'il nous a accordée. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et le passage est le même. Le passage est toujours dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset, disons, 1 à 30. Mais cette dernière partie-là, la prédication d'aujourd'hui, va se baser du verset 24 au verset 30. Alléluia. Amen. Donc, la dernière fois... Alléluia. Amen. Satan est menteur, ça va nous empêcher d'exprimer notre reconnaissance à notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la victoire. Amen. 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 Juste par curiosité, je vais faire un petit sondage avant qu'on ne commence. Pendant les 7 jours de jeûne, du 1er au 7 ou du 2 au 8, qui a fait un jour de jeûne? Amen. Qui a fait 2 jours? 3 jours? 4 jours, 5, 6, 7. Qui a jeûné jusqu'à aujourd'hui? Qui a jeûné jusqu'à ce jour? Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il devait demander qui a jeûné jusqu'à aujourd'hui. Amen. Vous qui avez jeûné jusqu'à aujourd'hui, j'ai un message pour vous à la fin du culte. Alléluia. Voilà. Je vais vous donner le message du Seigneur. Amen. Mais que Dieu bénisse chacun de vous. Alléluia. Amen. Ne vous occupez pas du nombre de jours. Chacun a sa force dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le plus important, c'est le fait que le peuple de Dieu se mette ensemble pour mettre en pratique le commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc ce matin, comme je disais, la dernière fois,
La dernière fois, notre sujet était, notre thème était « Fais ta part et Dieu fera la sienne ». Alléluia. Amen. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Et nous avons lu tout le passage du verset 1 au verset 20 de 2 Chroniques 20. Alléluia. Au verset 30 de 2 Chroniques 20. Amen. On ne va pas revenir sur le passage. Salut, on va continuer. Parce que la dernière partie, je dis, c'est une action de grâce. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a dit de nous présenter. Alléluia. Amen. On n'a pas su le pourquoi, mais nous nous sommes présentés par obéissance. Alléluia. Et dans le moment de jeûne, et avant le moment de jeûne, pendant la veille, nous avons crié à l'Éternel pour dire que l'héritage que toi, tu nous as donné, voici une nombreuse multitude qui vient contre nous. Alléluia. L'héritage que le Seigneur t'a donné, voici des sorciers qui viennent contre nous. Alléluia. L'héritage que Dieu t'a donné, c'est-à-dire le mariage que Dieu t'a donné, voici le célibat qui est venu contre toi. Les enfants que Dieu t'a donné, voici la stérilité qui est venue contre toi. La richesse que Dieu t'a donnée, voici la pauvreté qui est venue contre toi. La santé divine que Dieu t'a accordée, voici les maladies qui sont venues contre toi. Et nous avons crié à l'Éternel de la même manière, le roi Josaphat et son peuple ont crié devant Dieu. On a dit, Josaphat invoqua l'Éternel et il publia un moment de jeûne. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Josaphat qui a publié le moment de jeûne, c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il a proclamé ce moment de jeûne-là. Et ce moment de jeûne a dit, les gens sont venus de partout, de toutes les contrées. Alléluia. Tu es venu de Gettysburg, tu es venu de Boston, tu es venu de Virginie, tu es venu de Silver Spring, tu es venu de Baltimore, de toutes les contrées, tu es venu de tout le DMV, le DC métropolitain. Pour t'accorder avec l'Esprit de Dieu, sous l'instruction des serviteurs de Dieu que nous sommes. Mais c'est Dieu qui a décrété ce moment de jeûne-là. Tu es venu de partout, tu nous suis même à partir de d'autres pays. Tu t'es accordé pour mettre cette recommandation en pratique. Le Seigneur t'a donné la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a donné la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu est un. La servante de Dieu qui est venue pour chanter aujourd'hui, elle n'était pas prévue. Elle a juste rendu visite à son oncle. Et puis, bon, et elle a dit, oh, de toutes les façons, c'est vrai, dans mon emploi du temps, ce n'était pas prévu. Mais demain, je vais venir à l'église pour vous soutenir. Amen. Et le dernier chant qu'elle a chanté, c'était un chant sur la victoire. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Parfois, quand vous me voyez, quand je danse comme une folle là, hein, c'est comme ça que j'imagine comment David, qui était roi, a dansé. Et qui suis-je pour être dans la présence du Seigneur et puis ne pas donner mon sacrifice d'offrande d'action de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est merci Jésus pour la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus pour la victoire. Amen. Alléluia. Pendant le moment de jeûne, nous avons prié. Nous avons crié à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est pour dire merci au Seigneur. Amen. Amen. Je profite pour dire merci. Puisqu'on parle de merci, je profite pour dire merci à toutes les mamans qui, pendant le jeûne, ou bien pendant le jeûne, c'est-à-dire malgré le jeûne, ont tout fait pour faire mains et pieds, pour envoyer des petits mains. Alléluia. Amen. Donc à la fin du culte, on va prendre un repas de famille pour bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Donc je lis la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Chroniques. Je vais commencer à partir du verset 24. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 24, dit. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regarda du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Amen. Josaphat et son peuple allaient prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Verset 26. Le quatrième jour, ils s'assemblaient dans la vallée de Béraka, et ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient ce lieu vallée de Béraka. Nom qui est resté jusqu'aujourd'hui.
Verset 27. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partis joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Ils entraient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes, des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Verset 30 dit, et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Amen. 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 Mon amen n'est pas fort, hein. Ça là c'est une délivrance miraculeuse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ici, on va parler de ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen. Nous avons jeûné, nous avons invoqué l'Éternel, nous avons crié à Dieu. Quelle que soit la situation que nous traversions, alléluia, amen, nous avons pris le fardeau de l'un et l'autre. Alléluia. Amen. Il y a une différence. Amen. Il y a une différence de prier pour soi en tant qu'individu. Et il y a une différence aussi de prier en tant que congrégation. Alléluia. Amen. Quand la congrégation s'élève, s'humilie et dit Jésus, ou bien Éternel, Dieu des armées, nous ne dépendons que de toi. Le Seigneur va toujours croiser ce peuple-là, hein, dans son vœu, dans ses besoins. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Et nous le recevons dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils ont crié à l'Éternel et c'est le résultat ici qui est vraiment extraordinaire. L'Éternel Dieu leur avait dit, ne vous inquiétez pas. Amen. Dieu te dit ce matin, ne t'inquiète pas. Je t'ai demandé de te présenter. Tu t'es présenté. Cette bataille est la mienne. C'est ce que Jésus te dit. Alléluia. Cette bataille est la mienne. Mais cette bataille-là, il t'a déjà donné la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es guéri de cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les oppressions sataniques, hein, disparaissent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le célibat disparaît ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La lourdeur spirituelle se dissipe ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton héritage que Jésus-Christ t'a donné, l'Éternel te fait prendre possession encore ce matin de cet héritage-là parce que c'est lui qui te l'a donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aucune multitude ne peut t'arracher cet héritage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Donc l'Éternel Dieu a promis et l'Éternel Dieu a agi. Il a dit présentez-vous et ils se sont présentés. Vous savez, Dieu peut dire quelque chose, hein, mais parfois avec le Seigneur, il y a beaucoup de surprises. Alléluia. Amen. Mais ce qu'on sait, quand bien même on n'est pas sûr de quels sont les pas ou bien les chemins que nous allons emprunter, mais ce que nous savons, c'est qu'à la fin de ce chemin-là, il y a toujours la victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça nous donne la foi d'exécuter, quand bien même on ne voit pas clair, peut-être parfois sur le chemin. Amen. Il y a certaines choses qu'on peut ne pas comprendre. Alléluia. Vendredi était le dernier jour pour certains, le moment de jeûne. Parce que c'était 7 jours. Ou bien samedi pour d'autres, ceux qui ont commencé les 2. Moi, j'avais commencé le premier et le vendredi, quand je suis rentré à la maison, l'Esprit de Dieu m'a dit continue. Alléluia. Amen. Continue jusqu'à dimanche. Et je sais ce que le Seigneur m'a dit. Quand il me donne une instruction, je l'interroge, je lui demande pourquoi. Parfois, il parle, parfois, il ne parle pas. Il peut ne pas parler sur le champ, mais au fur et à mesure que les événements se passent, en fonction des gens qui nous ont rendu visite à la maison, j'ai compris pourquoi le Seigneur a voulu que je continue. Jusqu'à ce matin, c'est maintenant que tout s'est mis, c'est-à-dire que tous les puzzles ont pris leur place. Amen. 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 Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Quelqu'un est guéri ce matin, au nom de Jésus. Quelqu'un est délivré d'une addiction qui le fatigue depuis un moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un est délivré de la cigarette, de la drogue, de la boisson, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui me regarde est délivré de la boisson, je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, sans la présence de Dieu.
Donc le Saint-Esprit, l'Éternel lui-même s'est présenté. Alléluia. Quand Dieu te donne un héritage et que des jaloux ou bien des mercenaires, des topijas, des sambalas, les ennemis, que ce soit du côté, chose qu'on appelle ça familial, ou bien dans ton travail, ou bien dans ton environnement, dans ton voisinage. Si c'est Dieu qui t'a donné cet héritage-là, qu'il monte, que tes ennemis montent, qu'ils descendent, il te suffit d'invoquer l'Éternel, rentrer dans un moment de jeûne, fais ta part, et Jésus-Christ, il va confirmer sa parole en te redonnant la possession de cet héritage-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je prends 2 minutes pour vous montrer comment est-ce que Dieu a confondu nos ennemis. Alléluia. Amen. Il a dit un jour à Josaphat et son peuple, présentez-vous. Alléluia. Amen. Ils ont marché, ils se sont présentés. Pour eux, ils se disent que c'est vrai, ils sont dans le moment de jeûne. Mais il y a des moments où tu peux être dans le moment de jeûne. Tu peux être dans le truc, mais il faut se lever pour combattre. Alléluia. Amen. Donc, en tant que des gens qui savaient déjà qu'il y avait des ennemis qui venaient contre eux, je suis sûr qu'ils avaient des armes. Ils avaient combattu. Ils étaient déjà équipés, je veux dire. Alléluia. Amen. Mais il y a des moments quand il s'agit de ton héritage. Il y a des moments, le Seigneur, quand Dieu veut te donner du repos, et que tu sais comment l'invoquer, tu sais comment te présenter dans sa présence. Il va te montrer que tes armes ne sont rien. Ça ne concerne aucune arme forgée contre toi ne va prospérer. Tu n'auras même pas besoin d'utiliser ton arme. Tu vas te présenter et tes ennemis se seront entretués entre eux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu connaît ses enfants. Amen. Il dit, mes brebis me connaissent. Elles connaissent ma voix. Lorsqu'elles entendent ma voix, elles la reconnaissent. Alléluia. Amen. Vous avez reconnu la voix de l'Éternel qui a décrété ce moment de jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Il dit de l'invoquer au jour de la détresse. Il va nous délivrer et nous allons le glorifier. Nous sommes là ce matin pour le glorifier. Je ne sais pas quelles étaient les nombreuses multitudes qui se sont avancées contre toi. Mais tu as été délivré de cela pendant ces 7 jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu prépare ton témoignage. Je vais édifier la foi de quelqu'un ce matin. Je dis, Dieu, prépare ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse. Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi ceci est arrivé? Mais Jésus-Christ te redonne ton héritage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est souverain. Cette bataille n'est pas la tienne. C'est la bataille du Seigneur. Alléluia. Et cette bataille, il a déjà remporté à la croix de Golgotha, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il s'est fait pauvre à la croix pour que tu sois riche. Il s'est fait malédiction à la croix pour que tu sois béni. Par ses maîtrises, tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. On l'a humilié, on a craché sur lui pour que toi tu sois élevé, pour que tu sois rehaussé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ils se sont présentés équipés jusqu'aux dents parce qu'après tout c'est un roi. Son armée n'est pas négligeable. Mais c'est parce que beaucoup d'ennemis se sont mis contre eux. Des gens à qui ils ont fait du bien, des gens qu'ils ont épargnés pendant qu'ils allaient sur la terre promise que le Seigneur leur avait donnée. Il fait bien les exterminer. Amen. Amen. Parfois, quand le Seigneur te demande d'abattre quelque chose, il ne faut pas raisonner. Si tu laisses cette chose-là, elle va revenir pour te mordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ils ont rappelé à Dieu. Seigneur, voici ce qu'on a épargné. On a eu compassion. Voici ce qu'on a fait. Et les voici qui se mettent ensemble pour venir contre nous. C'est toi qui nous as donné cet héritage. C'est Jésus-Christ qui t'envoie aux États-Unis. Alléluia. Amen. 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 C'est Jésus qui t'a mis dans cette position, dans ta famille. Tu es le
Joseph de ta famille. Alléluia. Le puits ne peut pas te contenir. Alléluia. Les vendeurs ne peuvent pas te contenir parce que tu as une marchandise qui brûle dans les mains. Alléluia. La prison ne peut pas te contenir dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu es cohéritier avec Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es fait pour le palais. Amen. Amen. Tu n'as pas bien compris. Amen. Je dis, tu es fait pour le palais. Amen. Tu n'es pas fait pour le puits. Amen. Tu n'es pas fait pour vivre chez Potiphar. Amen. Tu n'es pas fait. Amen. Amen. Pour vivre en prison. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage. Alléluia. Alléluia. Les enfants de Dieu se sont présentés. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? À leur grande surprise, c'était des cadavres. Alléluia. Amen. Je suis convaincu que parmi eux, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils demandent au roi, qu'est-ce qui s'est passé? Entre eux, ils ont commencé à demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Jésus, quand tu poses beaucoup de questions au départ, quand la victoire est présente, il n'y a pas trop de questions à poser. Alléluia. Alléluia. Amen. La seule chose à faire, c'est de récupérer ton héritage et de rendre des actions de grâce et de témoigner de la part de Jésus afin que la crainte de l'éternel s'installe dans ton village au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ils se sont entretués. Quelle est la multitude nombreuse qui vient contre toi? Les cadavres sont dans le spirituel en ce moment. Tu vas voir ça dans le physique, dans les semaines à venir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils se sont entretués. Alléluia. Je suis convaincu que l'éternel Dieu des armées a envoyé son cortège angélique qui a commencé à frapper toutes ces multitudes nombreuses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La confusion était dans le camp de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui pensaient que toi tu vas rester malade ou bien la mort va venir te surprendre, ils sont dans la confusion aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui pensent que la dépression va t'emporter, ils sont vaincus au nom de Jésus. La VC n'est pas pour toi. Amen. Au nom de Jésus. La maladie des nerfs, la peur, l'anxiété n'est pas pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les maux d'articulation ne sont pas pour toi. Amen. Aucune maladie. J'ai dit aucune. Amen. Car la parole de Dieu a dit, par les maîtrises de Jésus, nous sommes guéris. Tous genoux fléchis devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai dit alléluia. Alléluia. Qui a dit que tu ne vas pas te marier? Amen. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Les puissances sataniques anti-mariage sont brisées ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette lourdeur que tu sens, je dis, cette apostasie déguisée sous une forme bizarre qui fait que tu ne peux pas te lever pour prier. À partir de ce jeûne, la puissance du Saint-Esprit restaure ta vie de prière, ta vie d'intercesseur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est difficile à convertir. La parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Tous ceux pour lesquels tu intercèdes afin qu'ils connaissent Jésus-Christ de Nazareth, ils le connaîtront tôt ou tard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de ton témoignage qui va commencer maintenant. Alléluia. Alléluia. On dit la crainte de l'éternel s'empara de tous les royaumes aux alentours. Alléluia. Ça veut dire ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que l'œil n'a jamais vu, est le partage de Josaphat et son peuple. Alléluia. Amen. Il faut que quelqu'un qui te minimise te dise, lui-là, pardon, si c'est lui qui veut provoquer, je ne suis pas dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ton sorcier prévienne les autres sorciers. Amen. Que lui-là, ne tentez pas. Amen. Alléluia.
Alléluia. La confusion était à l'état de l'ennemi. L'armée céleste, le cortège angélique, hein, a foudroyé cette multitude nombreuse. Alléluia. Alléluia. Ne laisse pas la peur t'envahir. Jésus a mis un témoignage dans ta bouche. Je dis, ne laisse pas la peur t'envahir. Jésus a déjà mis un témoignage dans ta bouche. Alléluia. Qui a dit que tu ne peux pas faire les affaires? Qui a dit que ça ne va pas marcher? Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Sois persévérant. Présente-toi. Après ce moment, recommence ce business et tu verras la main de l'Éternel sur tes affaires. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te mettre des mots, on va prier. Je n'ai plus rien à prêcher. Alléluia. Amen. Je sens la présence de l'Éternel. La puissance du Saint-Esprit. La puissance qui brise le joug de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut que ton témoignage éclabousse. Alléluia. Quel que soit ce qui s'est passé. Quel que soit ce qui t'a chagriné. Le passé est le passé. Alléluia. Alléluia. Avance avec Jésus. Sois ferme dans ta marche avec l'Éternel. Sors du péché et dis au Seigneur, tiens ma main. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par la puissance de ton esprit. Alléluia. Nous allons prier. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est que la prière. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est merci Jésus pour la victoire. Alléluia. Nous sommes déjà dans la victoire. Nos ennemis se sont déjà entretués en eux. C'est le résultat seulement que nous attendons. Parce qu'il y a des esprits qui ne peuvent être chassés par le jeûne et la prière. Il y a des esprits qui ne peuvent pas sortir si tu n'as pas soumis la chair. Si tu n'as pas tué la chair, il y a des esprits qui ne peuvent pas sortir. Alléluia. Tu vas dire merci Seigneur pour la victoire sur la peur et l'anxiété. La parole de Dieu dit dans Timothée qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de courage. Alléluia. La peur paralyse. Amen. Que tu aies la foi, comment? Quand la peur et l'anxiété te gagnent, ce n'est pas facile. Tu vas remercier le Seigneur d'avance pour la victoire. Amen. Sur la peur. Élève la voix, élevons la voix et prions. Seigneur, merci pour la victoire sur la peur, la victoire sur l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci de soumettre mon cœur dans la foi de l'Éternel Dieu, mon roi. Nous fermons toute porte à la peur, à l'esprit de peur. Merci Seigneur. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, pour la victoire sur la peur, pour la victoire sur l'anxiété. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Nous allons prier pour la victoire sur l'apostasie, sur la lourdeur. Nous avons les frères que nous ne voyons pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas bénir. Hein. C'est un démon. Alléluia. Amen. Un démon de raisonnement coriace. Qui leur fait croire que la vie est gagnée. Ou bien à quoi est-ce que ça sert? Je n'ai pas encore vu la main de Dieu, mais nous avons juré pour toute la congrégation, même ceux qui ne sont pas là. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Dieu. Amen. Disons merci au Seigneur pour la victoire sur l'apostasie, sur la lourdeur et sur les raisonnements qui attaquent notre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus pour la victoire sur la lourdeur. Merci parce que la paresse disparaît du milieu de nous. Merci Jésus-Christ de Nazareth parce que tu nous restaures dans la foi. Tu nous renouvelles. Merci Jésus pour la victoire sur tout ce qui est lourdeur, sur tout ce qui est paresse, sur tout ce qui est raisonnement humain, sur tout ce qui est apostasie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour la victoire sur la maladie. Alléluia. Quelle est la maladie qui se lève contre ton corps? La parole de Dieu dit, notre
toi, sur toute maladie, sur les dépressions, sur les maladies des nerfs, sur les maladies du Père Tout-Puissant, un choc cardiovasculaire. Seigneur, merci pour la victoire sur les maux d'articulation, les maux des genoux. Merci pour la victoire sur le diabète. Merci pour la victoire sur les cancers, les différents cancers. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour la victoire, oui, Père de Tout-Puissant, du cancer de Père de Tout-Puissant, du pancréas, par rapport à mon patron, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas dire merci au Seigneur pour la victoire sur les malédictions ancestrales. Alléluia. Alléluia. Les liens ancestraux sont brisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu ne fais plus partie de cette lignée à travers le sang, parce que c'est le sang de Christ qui coule en toi. Tu es né de nouveau. Tu as une nouvelle. Tu as une nouvelle identité en Christ. Tu es co-héritier avec Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va remercier le Seigneur. Alléluia, pour la victoire sur la malédiction ancestrale. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Parce que tout ce qui régnait dans ma famille, tout ce qui était spirituel ou physique, oui, qui régnait dans ma famille, tu m'as donné la victoire sur l'épilepsie, Seigneur. Tu m'as donné la victoire sur les maladies des nerfs. Tu m'as donné la victoire sur les maladies pour parler les ténèbres, les speech problems, les ténèbres du puissant. Tu m'as donné la victoire sur cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu m'as donné la victoire. Jésus-Christ, merci pour cette victoire. Merci pour la victoire de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui sont mariés, ils vont prier aussi pour leurs frères. Mais ceux qui ne sont pas mariés, tu vas dire merci pour la victoire sur le célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-moi la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, merci Éternel Tout-Puissant, parce que le célibat disparaît de ta maison. Merci pour la victoire sur le célibat. Merci pour la victoire sur le concubinage. Merci pour la victoire, oui, Éternel Tout-Puissant, sur tout ce qui est immoralité, Éternel Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui, notre frère est la tête de, notre soeur est la tête de quelqu'un, l'Éternel de mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, la machine de nos noms. Notre frère a sa tête quelque part. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Amen. Tu vas remercier le Seigneur pour la victoire sur les oppressions sataniques. Les maris de nuit, les rêves bizarres où on te poursuit, où on te poignarde. Nous avons la victoire sur toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Alléluia. Élève la voix et prie. Seigneur, merci pour la victoire sur les oppressions sataniques. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, parce que toute loge démoniaque a été brisée. Merci pour la victoire sur les sacrifices démoniaques contre nous. Merci pour la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la victoire, Jésus. Merci pour la victoire, papa. Merci, Jésus, pour la victoire sur les oppressions sataniques, les rêves démoniaques, les malédictions. Oui, Père de Tout-Puissant, qui vient à travers les oppressions, que ce soit dans notre sommeil, que ce soit dans le physique, que ce soit lorsque nous sommes derrière le volant, les sommeils démoniaques, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nos frères qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants, nous allons prier. On va dire merci, Jésus, pour la victoire sur la stérilité. Alléluia. La parole de Dieu dit qu'elle est stérile, enfante, 7 fois. Alléluia. Il a fait pour Anne. Il a fait pour Sarah. Il le fait pour toi. Je n'ai pas dit le fera. Il le fait pour toi. Reçois. Reçois la prophétie de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabbalabla. Merci pour la victoire sur la stérilité. Merci Jésus pour la victoire sur la stérilité. Merci Jésus pour la victoire dans les entrailles de tes servants, des serviteurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire merci pour la victoire sur le chômage. Alléluia.
La victoire sur le chômage est l'insatisfaction par rapport au travail. Tu es diplômé. Tu as beaucoup d'intelligence. Tu as beaucoup de talent. Mais là où tu es, c'est comme si tu ne reçois pas le salaire que tu mérites. Dis merci au Seigneur pour la victoire, pour la promotion qui est devant toi. Au nom de Jésus. Merci au Seigneur. Oui, pour le nouveau boulot que tu as. Au nom de Jésus. Merci au Seigneur pour la victoire. À travers les applications. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prochain t'arrêtera. Matati trabra chakere. Le matache. Le matache brasson d'oro. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur pour la victoire sur la misère. Que ce soit la misère morale, la misère spirituelle et la misère physique. Quand je dis la misère, ça dit tu sais de quoi il s'agit. Il y a des choses parfois qui nous rendent misérables. Que ce soit dans le secret. Et puis devant les gens faire semblant. Il y a des choses qui nous rendent misérables. Englobe ça dedans. Et puis tu proclames la victoire sur la misère. Au nom de Jésus. Et quand tu pries pour toi, profite pour tes enfants. Pour prier pour tes enfants. Pour prier pour chaque membre de ta famille. Pour quelqu'un que tu connais qui en a besoin. Et lève la voix et prions. Le Seigneur dit que ma maison est une maison de prière. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la victoire sur la misère. Merci Jésus de Nazareth. La victoire, Père de Tout-Puissant, sur tout ce qui entraîne la misère dans nos vies, dans nos pays, dans nos familles, oui, dans chaque membre de nos familles. La victoire sur la misère. La victoire sur la misère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire merci au Seigneur pour la victoire sur l'esclavage. Il y a quelque chose qui te tient en esclavage, que tu n'arrives pas à contrôler. Il y a des moments où tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Alléluia. Alléluia. L'esclavage du mensonge. Alléluia. L'esclavage de la pornographie. L'esclavage des immoralités sexuelles. L'esclavage de la drogue, de la boisson. Prions et disons merci au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour la victoire sur tout genre d'esclavage. Les chaînes de l'esclavage, de toute addiction, est brisée. Merci Jésus pour la victoire sur tout genre d'esclavage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jéhovah Nissi. Jéhovah Chiré. Jéhovah Sidénou. Oh, tout genre d'esclavage spirituel, physique, moral, intellectuel. Au nom puissant de Jésus, merci pour la victoire sur tout genre d'esclavage. Le jour de tout esclavage est brisé ce soir. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons deux autres sujets que nous allons prier. Nous allons dire merci pour la victoire sur l'échec. Alléluia. L'échec n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis, l'échec n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Au nom de Jésus, dis merci au Seigneur pour la victoire sur l'échec. Tu sais dans quel aspect de ta vie, tu sais dans quel aspect de ta vie, il y a des échecs répétés. Dis merci au Seigneur parce que ce cycle est brisé ce soir. Ce cycle est brisé ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'échec. Merci Seigneur pour la victoire sur l'échec. Au nom de Jésus. Alléluia. La dernière chose pour laquelle tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour la victoire sur la mort. Alléluia. La mort physique. La mort spirituelle. La mort matérielle. La mort professionnelle, la mort sociale, la mort est dans l'éducation, dans tes études, alléluia. La mort dans chaque aspect de ta vie, dans chaque aspect de la vie de tes enfants, dans chaque aspect de la vie de ton mari, dans chaque aspect de la vie de tes frères et sœurs, dans chaque aspect de ta vie, toi qui me regardes à travers les médias, quel que soit le pays, quel que soit la descente, refuse la mort. Dis merci au Seigneur pour la victoire sur la mort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen.
nous allons élever la voix et dire merci au Seigneur. Vous savez, c'est une différente méthode de prier. Ce sont des actions de grâce. On remercie le Seigneur parce que nous avons foi que c'est déjà fait. C'est lui qui a confondu cette multitude dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire sur la mort. Merci Seigneur pour la victoire sur la mort dans nos finances, dans notre vie spirituelle, dans notre vie conjugale, dans notre vie matérielle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, dans notre vie estudiantine, dans chaque aspect de notre vie, la victoire sur la mort. Merci pour la victoire sur la mort dans nos pays différents. La victoire sur la mort en Afrique. La victoire sur la mort aux États-Unis. Au nom puissant en Europe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que cet esprit de mort qui se propage a été vaincu. C'est toi qui as vaincu la mort, Jésus. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le tombeau. Tu as vaincu tout ce qui est ténèbres, Seigneur. Et tu nous as donné la vie. Parce que c'est toi notre lumière, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre forteresse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, notre héritage ne mourra pas. Au nom de Jésus, merci pour la victoire. Merci parce que nous sommes en possession de notre héritage. Nous refusons que notre héritage meure. Au nom de Jésus, merci pour la victoire sur la mort dans chaque aspect de notre vie. Les papiers de quelqu'un viennent à l'existence au nom de Jésus. Je dis les papiers de quelqu'un viennent à l'existence au nom de Jésus. Les papiers de quelqu'un sortent du tombeau au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous allez lever les mains. Chacun a prié. Amen. Les serviteurs de Dieu et moi, nous avons proclamé ce mot. Parce qu'on a dit, Josaphat a décrété le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons proclamer sur la vie des enfants de Dieu ici présents, ceux qui sont connectés sur Internet. Alléluia. Nos frères qui ne sont pas là, nous prions pour eux. C'est nous qui sommes à la brèche. Alléluia. Amen. En signe de réception, tu as jeûné. Tu t'es présenté. Tu as appliqué la parole de Dieu. Tu as obéi à la parole de Dieu. Tu es venu de toutes les contrées. Tu es connecté. Lève les mains en signe de réception. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Éternel Dieu des armées. Jéhovah Jiré, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Adonai, Elohim, l'ancien des temps, le rejeton de David, l'île des vallées, la rose de Sharon, l'agneau immolé de Dieu, l'étoile brillante du matin, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant qui tout genou fléchit. Merci Seigneur pour la victoire dans chaque aspect de la vie de chacun de tes enfants. Merci Jésus de remettre en position dans la main de chaque membre, oui, de l'église, de chaque personne connectée, l'héritage que les nombreuses multitudes voulaient lui voler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort n'a pas de pouvoir au nom de Jésus. La pauvreté n'a pas de pouvoir sur vos vies au nom de Jésus. Le célibat n'a pas de pouvoir sur vos vies au nom de Jésus. La mort spirituelle n'a pas de pouvoir sur votre vie. L'échec n'a pas de pouvoir sur votre vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga, celui qui commence et qui termine. Ta main n'est pas trop courte pour sauver. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Lève-toi, éternel des armées, et confonds toute la multitude de manière définitive.
Jésus. Que la puissance du témoignage soit le partage de chacun de tes enfants connectés ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis la puissance du témoignage, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, soit le partage au nom de Jésus. Devant les ennemis, tu dresses une table, tu oindues les têtes et leur coupe tes portes au nom de Jésus. Il ne se retrouve jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le nom de Jésus. Nous appelons à l'existence dans la vie de chacun ce qui n'existe pas, dans le nom de Jésus. Les malédictions sont brisées de manière définitive dans le nom puissant de Jésus. La paix du cœur, le partage des enfants de Dieu. Les démons d'anxiété, les démons de folie, les démons de dépression sont paralysés de leur pouvoir ce matin, au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, que je sois effacé, la puissance de ton esprit baptise maintenant les intercesseurs qui ont continué ce moment jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu, le 9e jour, qui est le jour de l'accouchement. Alléluia! Alléluia! Seigneur, tu as dit en ce 9e jour de proclamer sur tes enfants dans le nom puissant de Jésus et de considérer que cela est fait au nom de Jésus. Broskentari, Breskuntare, Esprit du Dieu vivant, sous nous ce soir, les dons spirituels se manifestent au nom de Jésus. La puissance de cet esprit, la crainte de l'éternel, autour et en nous, au nom de Jésus. Alléluia. Tu présenteras un garçon. Oui, d'ici à la fin de 2021, tu présenteras un garçon à cet hôtel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ribrosakata. La puissance de la prière, la puissance de l'intercession va changer ton sommeil, va changer le cycle de ton sommeil au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glory ma santa. Ce mal disparaît à l'instant au nom de Jésus. Ce mal disparaît à l'instant. Je dis à l'instant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les dons de révélation. Alléluia. Les dons de révélation
remercier le Seigneur. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Jéhovah. Merci pour ta puissance. Merci pour nos ennemis que tu as mis dans la confusion. Merci pour ces nombreuses multitudes que tu as confondues pour nous. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence qui nous souffle. Ribroche. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Moro Santa Ramakasheta. Alléluia. Fais comme tu veux, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous abandonnons nos vies entre tes mains, Seigneur. Car tu nous connais mieux que quiconque, éternel Dieu, mon roi. Et que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Le Seigneur Jésus, venez vous asseoir. On a pratiquement fini. Nous avons encore une bonne quinzaine de minutes. Je ne sais pas si on ne peut pas m'arriver donner son témoignage. Voilà, avant de passer aux offrandes. Dimanche prochain, on va prêcher sur le don de guérison. Parmi vous, il y a des gens qui ont ces dons. Mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Et voici un témoignage qui va vous édifier. Dieu utilise ce qu'il veut, comment il veut et quand il veut. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Ça fait un bout que le Seigneur fait des grandes choses au travers de la vie de Papa Naïm. Il va vous donner son témoignage. Alléluia. Dis Amen très fort. Tu es content d'être là, dis Amen encore. Alléluia, alléluia. Bien-aimés en Christ, le Seigneur est vivant. Amen. Et nous sommes dans une grande église. Amen. Il ne faut pas négliger, il faut toujours avoir le cœur ici, ne parle pas. Amen. Parce que quand tu parles, le dévoreur est dehors pour t'attendre. Amen. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage. Pour moi, c'est un grand témoignage. J'ai des amis, un couple camerounais, qui sont mariés à peu près un an. Et maintenant, la femme est enceinte. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, le nouveau marié, hein, le diable n'aime pas le mariage. Donc, il y a toujours des palabres. Le mercredi, elle m'appelle. Papa, je voulais t'expliquer quelque chose. Voilà, mon mari ne dort pas à la maison. Ça fait deux jours qu'il ne dort pas à la maison. Voici les problèmes que nous avons. Et en pleurant, elle était vraiment abattue. J'ai pendu et j'allais la voir, j'essaie de la consoler. Mais d'abord au téléphone, quand je parle avec elle au téléphone, il y a une voix qui dit ouvertement que ce mariage-là ne sera pas heureux. Et puis elle dit, ah, ma soeur, attends. Ce que j'entends là, c'est toi qui me parles, mais il y a une autre voix qui me parle à travers de toi. C'est que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel ton mariage. Nous sommes dans une grande école, elle dit Amen. Amen. L'école de CDC. Amen. Et on nous apprend tout ici. Et même quand tu discutes avec quelqu'un, tu te plains dans le sang de Jésus-Christ et tu écoutes l'histoire et tu mets le Saint-Esprit au milieu. Amen. Dieu va révéler les choses cachées. Alléluia. Amen. Et voici que la dame, elle pleure et elle m'appelle. Et moi aussi, je pars là-bas et je lui dis, ma soeur, voilà ce que j'ai attendu au téléphone. Ton mariage là, ce n'est pas un mariage physique, c'est spirituel. Ce qui attaque ton mariage là, c'est spirituel. Elle me dit, partout où je m'en vais, c'est ce qu'on me dit. On me dit que mon mari, il y a tel problème dans sa famille, qu'il n'a pas accepté les choses traditionnelles dans son village, et c'est ce qui le suit toujours. Il n'est pas content. Et ça m'a fait. Je dis, effectivement, c'est ça. Donc, je l'ai consolé, et puis je suis parti à la maison. À 18h, elle m'appelle.
Elle dit, ça ne va pas, qu'elle saigne. Je dis, tu sais, je dis, elle saigne. Donc j'appelle son mari. Il dit, grand frère, je m'en vais à l'hôpital en ce moment, ça ne va pas, ma femme, elle saigne. Je te dis bien que ça fait 2 jours, je ne dois pas à la maison, mais finalement, ça ne va pas, je m'en vais à l'hôpital. Il dit, d'accord, je retourne à l'hôpital. Ma mère adresse l'hôpital, je fonce vers l'hôpital et je la trouve là-bas. Au moment où j'ai parti, il pleuvait très fort, je ne sais pas si c'est le vendredi bien, le vendredi très, pleuvait très fort. Arrivé, elle devait rentrer en 2 minutes, mais elle attendait le docteur. Et je suis arrivé en même temps, j'ai commencé. En partant, ma femme me dit, ah, il faut appeler le papa pasteur et puis maman pour prier pour eux. Parce que c'est qu'elle a là. C'est la simple opération, c'est dangereux, c'est entre la vie et la mort. Donc, il y a une voix publique, t'es parti d'abord. Et je suis arrivé là-bas, je suis rentré. Je les ai vus. Au moment où je vais appeler maman pour dire, ah, la vie, il y a une situation, par exemple, il faut prier. Le Saint-Esprit me dit, non, toi-même, il faut prier là-bas. Alléluia! Ah, on s'est rendu compte dans le groupe. Hein. J'ai dit, ouais. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, j'ai recommandé l'opération à la dame. Je dis, mais tu acceptes l'opération? Elle dit, non, Dieu merci. Ma femme ne voulait pas que tu acceptes l'opération. Mais ça va, c'est quoi, hein? Pour moi, je ne connais pas. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est allé à la croix pour nous. Il va rétablir tout cela tout aujourd'hui. Tu l'as pour combien de jours? Elle ne sait pas, peut-être 3 jours. Il dit, le Seigneur va faire. Et j'ai prié avec eux simplement. Et la dame est venue la prendre pour aller dans la salle d'opération. Arrivé à la maison, c'est à Silver Spring. Au moment où j'arrive à la maison, le jeune m'appelle, il dit, grand frère. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, mon cœur s'est coupé, c'est quelque chose qui est dangereux. Il dit, il y a un grand miracle qui se passe. Je dis, alléluia! Il dit, on la libère dans 30 minutes. Je dis, tu dis quoi? On la libère dans 30 minutes. Donc, viens me chercher, on va aller la chercher, on va aller la prendre. Donc, je fonce, je me vais chercher le jeune, et on rentre, on va prendre la dame. C'est comme si elle était bien, marchait bien. Elle est sortie de l'hôpital, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'opération. Je rends gloire à Jésus. Je rends gloire à Jésus. Je rends gloire à Jésus pour tout ce qu'il fait. Nous sommes dans une grande église. C'est une petite église. Ne fouillez pas, restez là. Restez là. Et vous allez voir comme Jésus va nous utiliser, nous tous ici. Alléluia. Maintenant, mon début, j'ai prié pour mon grand frère après. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour sa fidélité. Voilà. Que le Seigneur te fortifie. Que ton don de guérison aille en grandissant. Et que par ton don qui amène même les morts à la vie. Dans le nom puissant de Jésus. C'est possible. Il n'a pas besoin, il a le don, il n'a pas besoin de payer le prix. Nous autres, nous avons payé le prix. Si aujourd'hui on prie pour le comateux et puis il revient à la vie, c'est parce que nous, on était morts qu'on est revenu. Mais nos enfants que vous êtes, vous n'avez pas besoin de payer le prix. De la même manière, Jésus a payé le prix pour nous tous. Vous avez le don, vous allez l'exprimer et les dons vont se manifester. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, papa Jean-Pierre, voilà, on a 5 minutes et puis on va passer. Amen, amen. Tout à l'heure, quand maman priait, je ne savais pas qu'elle s'est mise à genoux. Mais le seul visage que le Seigneur me montrait, c'était papa Naïm. Il était vêtu en boubou blanc. Alors je me demandais, je dis, Seigneur Jésus, pourquoi tu montres toujours papa Naïm tout le temps? Elle était en blanc. Et effectivement, j'ai vu tout le monde qui était en cortège, ils étaient tous en blanc, comme une cortège. Mais c'était toujours papa Naïm que le Seigneur me montrait. Alors, quand il a fait le témoignage, maintenant j'ai compris que c'est vraiment une confirmation que papa Naïm, vous êtes dans une autre dimension. Amen. 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 Voilà. Dimanche prochain, on aura une exhortation avec Papa Kodila. Amen. Voilà, à chaque fois qu'on programme,
il y a un programme. Ça veut dire que c'est la question de grand qui est en route. Alléluia. On sera ensemble, moi, ce côté, lui et moi. Yes. Et il viendra donner la parole. Amen. Oui, vas-y, moi. Ouais, viens, viens. Acclamons le Seigneur pour notre soeur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste pour dire merci à Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de m'avoir donné la force aujourd'hui pour rendre grâce. Le thème d'aujourd'hui, c'est merci Jésus. Nous te rendons toute la gloire car la victoire appartient à tes enfants. Comme maman l'a dit, moi je viens de Bethel, à Autriche. J'ai connu maman pendant les difficultés. C'était un moment de ce combat. Mais quant aux enfants de Jésus, nous ne combattons pas avec la chair, mais on combat avec l'esprit. Je veux rendre grâce à Dieu car la vie des célestés m'a tenu, moi et ma famille, et m'a élevé. Notre foi n'est plus là où c'était avant. Le dernier mot que fait m'a laissé, c'est la victoire. Amen. Elle a dit victory, victory, three times. Après, elle a dessiné un cœur pour moi. Elle n'a plus rien dit. Mais ce qui m'a amené, c'est que ma maman ici, à chaque fois, était toujours disponible pour mes appels, pour mes messages. Et elle me disait toujours, ce sont des distractions. Ne les écoute pas. C'était vraiment la distraction. Et j'ai utilisé le mot à un moment donné pour convaincre à chaque fois qu'un docteur vient pour me dire quelque chose, il dit, c'est des distractions. Le corps de l'enfant qui était en train de se changer, je ne voyais pas ça. Je voyais la gloire. Amen. Je suis resté avec la parole. La gloire jusqu'à ce qu'elle est partie. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu car il m'a amené à un niveau. Un niveau que je ne sais comment vous expliquer. Car on est dans sa présence. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant qui vous ait utilisé pour me soutenir pendant ces moments difficiles, moi et ma famille, continue et vous élève jusqu'aux cieux. Même le jour de l'enterrement, beaucoup de gens ont donné leur vie. Et jusqu'à présent, l'hôpital m'envoie des lettres. À quel point ils ont vu la présence et mon absence fait qu'ils ne sentent plus rien. Ils ont donné leur vie à Jésus. Amen. Même des docteurs. Amen. Je rends grâce à CDC. Maman, merci. Amen. Papa, merci. Amen. Que Dieu continue de vous élever. Amen. Cette église ne reste pas petite. Amen. Dieu va élever. Amen. 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 Que le Seigneur te soutienne et qu'il te fortifie. Voilà, on a fini, on a encore 2 minutes. La personne concernée, au moment venu, va vous rendre le témoignage. Amen. Comme les gens ne rendent pas témoignage, comme on a dit, c'était sur le témoignage. Donc souvent, ils sont obligés de rendre témoignage à leur place. Amen. C'est seulement dans la semaine-là.
Ah, papa Sylvain, lui, il récupère les sujets et puis il m'envoie ça. C'est un homme de foi. Quand c'est Kabako, là, il m'appelle, il dit, ah, voilà un sujet. Moi aussi, dans la foi, je me jette dedans. Et dans la semaine, il m'a appelé, il dit, bon, voilà, il y a tel monsieur, si tu le connais, on était ensemble dans l'autre église, voilà, il n'arrive plus à l'uriner. Son robinet est bouché. Oui. Un coup comme ça, il n'arrive plus à pisser. Bon, c'est quelque chose scientifiquement qui est démontré, parce que c'est le travail des mamans. Le problème urinaire, prostate, tout ça là, c'est ce qu'elle fait, le travail. Donc, directement, ils ont passé à elle et ont dit, bon, il faut l'appeler pour que le monsieur puisse l'appeler. Il dit, bon, elle au travail, elle va descendre vers 18h là-bas. Le monsieur, il était impatient. Et j'ai décroché son coup de fil. J'ai dit, mais ce truc-là, tu avais ça depuis longtemps? Il dit, non. J'ai dit, mais est-ce que tu as senti un ralentissement au niveau des urines? Il dit, non. J'ai dit, il n'y a jamais eu de rétention? Il dit non. Il dit, un coup, comment ça s'est arrêté? Bon, souvent, les malades aussi disent pas la vérité. Ce truc-là, avant que les urines s'arrêtent, là, le robinet, là, ça se fait petit à petit. Et comment tu sens que, quand tu urines, là, c'est pas terminé. Il y a un reste. Donc, les gars lui ont placé une sonde, on lui a mis une sonde pour dégager l'urine. Et il dit, ça fait très mal. Il dit, bon, quand elle va venir, elle va t'appeler. C'était le moment de jeûne. Elle est arrivée aussi, elle a fini de prier. Elle dit, elle va s'étendre un peu. Bon, et puis, 21 est arrivé. Il a rappelé un peu, puis j'ai pris. Il dit, bon, on va prier. Il dit, non, j'attends la prothèse. Il dit, moi, je suis au rebond. Les prières, ils n'ont pas de propriétaire. Moi, j'ai récupéré ça. Ouais. Voilà. Il faut mettre la main là où tu as mal, on va prier. Quand la prothèse va se réveiller, elle va t'appeler. Mais pour l'instant, laisse-moi prier pour toi. Il dit, ok, pasteur, il n'y a pas de problème. Dans la foi, j'ai proclamé la parole. Il dit, tu es là-bas, tu es loin de moi, je ne sais pas où tu es, mais ce qui est sûr, je t'envoie et j'envoie le Saint-Esprit en mission. Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il connaît tout, il est tout puissant et il est partout. Saint-Esprit va te toucher où tu te trouves. Il va ramener à la vie tout ce qui était mort encore. Dans le nom puissant de Dieu. C'est la prière courte. Amen. Ah, mon discours là, je suis pas les gars. On a fini. Le lendemain, je l'appelle. Il dit, mon cher, comment ça va? Il dit, non, pasteur, ça va. Il dit, non, ça aussi, il faut qu'il y a pas arrêté de présenter là. Il dit, non, ça va, je suis totalement guéri. Amen. Mais je n'ai pas manqué de lui dire, si ce mal-là, il est spirituel, c'est Jésus seul qui peut le vaincre jusqu'à la source. Amen. Donc, dimanche, il faut venir à l'église. Nous allons te présenter Jésus et il va te protéger. Amen. Ah, comme son frère même l'a dit, il dit que les gens aiment beaucoup l'argent, ils travaillent. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à pisser maintenant, qui a le temps d'aller travailler. Donc, voici ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Amen. Il fortifie chaque personne. Ce don, elle est donnée à chacun de vous. Quiconque a reçu le Saint-Esprit doit être en mesure de prier et d'opérer des miracles dans le nom puissant de Jésus. Nous allons passer aux offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Allez.